Eh bien bonjour vous toutes et bonjour à vous tous. Et oui, ça y est, nous sommes de retour pour une nouvelle série d'émissions Bonsoir le Béarn au cœur de l'été. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre. Alors vous avez vu, regardez, on a changé de décor complètement. Nous avons quitté le pavillon des arts et nous avons remis en place ce grand écran duquel finalement on ne se sépare jamais, nos moyens techniques en régie. Où ça? Eh bien au cœur même des lieux que nous occupons avec les équipes de création tout au long de l'année. Nous sommes toujours dans l'agglomération paloise, nous sommes à l'Escar et au fur et à mesure des semaines, eh bien, ce plateau, ce studio évoluera afin d'accueillir des tables rondes, afin d'accueillir des débats, afin d'accueillir, pourquoi pas, des mini-concerts également. Bref, de donner la parole à celles et ceux qui sont les forces vives de ce territoire que nous allons une nouvelle fois célébrer avec toujours une même vocation, celle de vous informer, celle de vous divertir, celle de vous rassembler, on l'espère, et ce, tout le long de l'année. En tout cas jusqu'au 10 septembre. Et ensuite, nous serons au parc des expositions de Pau. Nous voici ici, sur ce plateau. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, puisque dans quelques jours, nous serons au mois d'août, pour la deuxième semaine, la deuxième quinzaine du mois d'août, nous serons au cœur du bassin de Lac. Nous irons visiter les villes de Puyot, d'Artix, de Mourinx et autres, d'Orthez, bien entendu, d'Arthez, je vais en oublier, pour des rendez-vous qui se feront au cœur même de ce territoire. C'est donc pour démarrer au cœur de l'agglomération de Pau que nous vous souhaitons la bienvenue avec un programme qui tous les jours, d'ailleurs, vous qui nous suivez à la fois sur YouTube, à la fois sur Facebook, va nous permettre de vous informer sur ce qui se passe cet été sur ce territoire. Avec une particularité, en ce mercredi, vous le savez, depuis quelques heures maintenant, il faut encore plus être prudent que nous ne l'étions ces derniers jours, je sais pas ce qu'on veut dire, ces dernières semaines. On tient compte, évidemment, des nouvelles dispositions, des nouveaux dispositifs sanitaires qui auront une vocation, celle de nous permettre d'éviter, encore une fois, de propager ce Covid-19 qui aura, vous le savez, marqué l'année 2020 et qui aura fait, d'ailleurs, circonstances exceptionnelles, réactions exceptionnelles, qui aura permis à cette émission, finalement, de voir le jour. Alors, on va continuer donc de vous informer avec le même principe, celui de vous inciter cependant à sortir, à vous oxygéner, à profiter de l'été, tout en étant, évidemment, extrêmement prudent. Ce soir, nous allons parler de l'été à Pau. L'été à Pau qui aura lieu du 28 juillet au 8 août. Et j'ai bien dit qu'il aura lieu, puisque oui, les amis de la chanson populaire ont réussi à conserver ce rendez-vous ô combien important et symbolique de la ville de Pau, dans des dispositifs, cela dit, sanitaires tout à fait particuliers. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ensuite, si vous le voulez bien, nous allons parler de notre grand jeu de l'été qui se poursuit. Et il s'est interrompu en même temps que cette émission. Et on va vous proposer toujours de gagner avec ce mur de la chance quelques 4 000 euros de cadeaux. Pour cela, on change la formule. On ne va plus jouer ensemble en direct, mais on va, sachez-le, chaque jour, après cette émission, quand bien même vous la regardez tard le soir, quand bien même vous la regardez en replay ou autre, vous proposez de jouer avec nous, soit sur le site internet, la chaîne locale, .tv, soit sur notre page Facebook qui retransmet également cette émission. Pour cela, vous allez pouvoir vous inscrire et vous pourrez gagner tous les jours avec un système d'instant gagnant les cadeaux mis en jeu dans cette cagnotte de l'été que nous vous rappellerons tout à l'heure. Il y aura notamment à gagner un vélo électrique, il y a notamment à gagner des bons d'achat et chaque jour, nous allons rajouter 50 euros dans la cagnotte. Donc aujourd'hui, nous mettons 50 euros dans la cagnotte, demain 50 euros et ainsi de suite. Dès que la cagnotte revient à zéro, bref, qu'elle est gagnée, on repart donc comme si de rien n'était et ainsi de suite. Mais donc, tant que la cagnotte n'est pas gagnée, on rajoute 50 euros tous les jours. Donc aujourd'hui, on part à 50 euros pour jouer. Rendez-vous sur la page Facebook de la chaîne locale, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez, y compris en replay cette émission, ou bien rendez-vous sur la chaîne locale.tv, le site internet de la chaîne locale.tv pour jouer en live au mur de la chance et gagner automatiquement les quelques 4 000 euros de bons d'achat et les 120 cadeaux qui sont mis en jeu tout le long de l'été et ce, avec la complicité de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées ainsi que des commerçants de Pau Commerce. L'été à Pau, c'est un programme extrêmement riche. Avant de retrouver Edwige Larald qui représente les Amis de la chanson populaire, je vous propose de découvrir en image ce qu'est la programmation de l'édition 2020 de l'été à Pau, 39e du nom. Crying for a lot of things you can even have.
L'idée du jour, je devrais dire plutôt les idées pour les soirées d'été. Chaque année, vous le savez, depuis de très nombreuses années d'ailleurs, les Amis de la chanson populaire programment ici, au mois de juillet, au mois d'août, du côté du Théâtre de Verdure, ou en cas de mauvais temps, du côté du Parc des Expositions, une série de concerts regroupés sous le titre chapeau de ce festival L'été à Pau qui, chaque année, rassemble des centaines, que dis-je, des milliers de personnes venant certes de l'agglomération paloise, mais parfois de très loin, pour apprécier cette programmation pointue, éclectique, festive, imaginé pendant de très nombreuses années autour de Jacques Ibert, à qui on pense aujourd'hui et qui a été à l'origine de cet été à Pau, comme de très nombreux rendez-vous culturels d'ailleurs de la ville de Pau. Les ACP continuent à vivre avec dorénavant, encore une fois, de nouveaux bénévoles, encore une fois, de nouveaux passionnés, encore une fois, une nouvelle équipe que vous avez rejoint. Edwige Laralde, merci d'être avec nous pour nous parler de cet été à Pau particulier. Et répondre à une première question capitale et primordiale, est-ce que du 28 juillet au 8 août 2020, il y aura bien des spectacles au Théâtre de Verdure, s'il fait beau, au Parc des Expositions, s'il ne fait pas beau, bref, aurons-nous le droit de voir les très belles têtes d'affiche qu'on a vues défiler dans la bande-annonce il y a quelques instants? Bonjour Eric et merci de m'accueillir sur votre plateau. Oui, alors à ce jour, oui, l'été à Pau est maintenu. On a programmé 10 soirées entre le 28 juillet et le 8 août. Avec toujours une programmation éclectique. Cette année, la mise en place de la programmation était un peu perturbée par les événements, les conditions sanitaires. La programmation était bouclée avant le confinement, donc j'ai programmé, déprogrammé, reprogrammé, vu les choses à chaque fois sous un autre angle, de façon à pouvoir maintenir aussi ces soirées. On a réadapté la programmation pour un public assis. Alors voilà, le public sera assis. C'est déjà le premier des changements, parce que chacun a en tête, pour y avoir sans doute passé un petit moment, des grandes soirées mythiques avec Catherine Ringer, les Têtes Raides, Touré Kounda, Barbara, James Brown, Jackie Gelin, je donne quelques noms, mais il y a eu Mouvrini ou autre, des centaines, des milliers de personnes amassées, groupées au cœur du Parc Beaumont, dans le Théâtre de Verdure. Certains sont assis, ce qui arrive très tôt généralement, les autres sont majoritairement debout. Cette année, tout le monde sera assis. Tout le monde sera assis cette année, voilà, je vous le confirme. Donc on a réduit un petit peu, réduit la jauge, non. La jauge assise du Théâtre de Verdure fait 1150 places, ouais, précisément. Dans la pierre, donc celle-là. C'est gravé dans la pierre, oui. Il vient d'avoir une commission sécurité au niveau de la préfecture, donc concernant l'évolution du Covid en début de semaine. Donc suite à cette réunion, des mesures préventives ont été prises pour instaurer une distanciation physique entre les personnes dans le Théâtre de Verdure. Ouais. Ce qui engendre du coup,
on peut accueillir moins de personnes que ce qui était prévu. Initialement alors, prévu. Ça veut dire aujourd'hui combien véritablement on pourra assister au premier spectacle qui démarre mardi prochain, le 28. Tout à fait, on va démarrer fort cette année avec Berry Wham, ouais. Beatbox et Suzanne qui était venue l'année dernière. Qui était venue déjà l'année dernière. Qui est venue l'année dernière et elle avait déjà rencontré un franc succès. Elle a été révélation scène des Victoires de la musique cette année. On avait envie de l'accueillir de nouveau. Et elle fait partie aussi des artistes qui avaient envie de jouer cet été parce que ce n'était pas forcément évident de faire remonter des groupes sur scène pour une date ou des dates isolées. Donc les boîtes de production ont décidé aussi cette année de réduire leur activité, notamment sur l'été. Et alors combien ? Vous n'avez pas répondu, combien de personnes ? Parce que certains ont déjà réservé, certains sont déjà pressés, j'imagine. À combien aujourd'hui est fixée la jauge ? On va être à peu près à 750 personnes. D'accord. Donc, pour ce qui est de la première semaine, à savoir du 28 juillet au samedi 1er août, on avait ouvert lundi matin une billetterie supplémentaire. On avait libéré quelques places. Ouais. Billetterie qui était gratuite mais qui, pour le coup, nécessitait qu'on se préinscrive, ce qu'on ne fait pas d'habitude, parce qu'il faut limiter la jauge. Voilà, une billetterie gratuite. On a besoin également de pouvoir un petit peu savoir qui est dans le théâtre de Verdure soir. Voilà pourquoi on vous demande également vos coordonnées. Voilà comment les choses vont se mettre en place. On va prévenir les personnes au-delà, on va dire, à peu près de la place. À partir de la place 745, on va faire par ordre de réservation. On recontacte les personnes une à une par SMS et mail pour les prévenir que leur billet va être désactivé. Donc, inutile de vous présenter le soir du concert. On est vraiment désolé de cette... Il faut dire que malheureusement, on va se le dire, les choses évoluent au fur et à mesure, les décisions doivent être prises, ajustées, réajustées. On a bien vu qu'il y a 10 jours, on ne parlait pas du port du masque comme là nous le vivons, de façon obligatoire un peu partout. On va résumer pour ceux qui vont venir, puisqu'on a vu la programmation là tout à l'heure, on y reviendra, mais pour ceux qui se sont inscrits, qui vont avoir la chance d'être inscrits, il faudra arriver tôt. Cette année d'abord. Cette année, il faut arriver tôt, parce qu'habituellement, à l'été à Pau, bon, arriver un peu comme on est entre amis, on boit l'apéro, on peut arriver. Là, cette année, les personnes qui ont leur ticket assisteront aussi au concert d'ouverture, parce qu'on a deux groupes par soir. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à 21h15, ils pourront accéder au théâtre. À partir de 21h15, l'accès ne sera plus possible. Donc, on laisse le petit quart d'heure béarnais, mais pas plus. Il faudra accéder masqué dans les parties, on va dire, communes, notamment la file d'attente, les déplacements jusqu'à la buvette. Il y aura une buvette d'abord ? Il y aura une buvette. Ouais. Tout D'accord. à fait. Donc, toutes les files d'attente, on demandera aux gens de rester bien masqués. Pour ce qui est aujourd'hui, donc en ce qui concerne les mesures à ce jour, les personnes pourront enlever leur masque une fois assises. Donc, une fois assises, grâce à cette file, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais en tout cas, avec cette distanciation qu'il y aura, par contre, on pourra enlever le masque. On pourra enlever le masque. Une fois assis, d'accord. Donc, et assister au concert un peu plus simplement, on va dire, qu'avec un effet le masque. Et puis donc, si on va à la buvette ou autre, on remet le masque. Si on va à la buvette, si on se déplace, si on quitte sa place, on remet forcément le masque. Très bien. Alors, maintenant qu'on va parler un petit peu de la forme. D'abord, si ça bouge, notamment s'il y a du repli, notamment si peut-être pour certains spectacles, il peut y avoir tel ou tel nombre de places libérées, finalement, au dernier moment. Comment vous allez prévenir les gens ? Les réseaux sociaux, j'imagine ? Tout à fait, Eric. Donc, on va vraiment être très, très actif, réactif sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et l'Instagram Été à Pau. Également sur le site internet, avant de vous rendre au Théâtre de Verdure, vérifiez bien les dernières informations mises à jour sur le site. Ouais. Mais les réseaux sociaux, on communiquera aussi beaucoup dessus. Bon, ça vaut le coup de bien s'inscrire et d'être attentif, en effet, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas faire sur cet été, qui, mine de rien, côté programmation, même si vous avez dû rabattre les cartes, parce qu'en effet, certains n'étaient plus en capacité de tourner parmi ce que vous aviez réservé, vous avez quand même une très belle programmation, parce que, on l'a dit avec Suzanne, c'est de l'électropop, vous avez du rock alternatif latino, vous avez du pop folk, vous avez du hip-hop, vous avez du reggae, la world music, c'est une marque de fabrique, en plus de l'été à Pau, est quand même présente. Ça a été facile quand même de remobiliser des productions autour de ces rendez-vous, alors que pour beaucoup, ils viennent d'habitude avec des dates festivals. Là, ce n'est pas le cas. Tout à fait. La complexité cette année, quand on discute d'un groupe avec une boîte de production, c'est-à-dire que c'est un groupe qui va tourner sur l'été. Ouais. Et c'est au niveau des boîtes de production, elles amortissent un petit peu leur tournée sur plusieurs dates. Donc l'été à Pau est, vous l'avez dit, un des rares festivals quand même à être maintenu. Donc ça, on a revu les choses un peu différemment et j'ai eu pas mal d'annulations de groupes qui ne pouvaient plus tourner.
On y est arrivé, on a la programmation et l'été à Pau va bien avoir lieu et on est au bout là. Alors il y a l'été à Pau, mais il y aura également une déclinaison, comme le veut la tradition, j'ai envie de dire, autour des plus jeunes. Alors comment cette année va se passer cette déclinaison ? Tout à fait. Alors les années précédentes, il y avait un concert pour les enfants. Ouais. L'année dernière, on est sorti un petit peu du théâtre de Verdure, on a été dans le parc Beaumont autour du kiosque pour ce qu'on a appelé l'été des mômes. Voilà. Alors, cette année, l'été des mômes n'aura pas lieu sur une journée, mais sur deux. Donc, d'accord, on va être sur le 31 juillet et le 1er août, vendredi et samedi, okay, sur la première semaine. Donc, on accueille cette année deux compagnies de cirque sur les pelouses du parc Beaumont. Ouais, c'est très, très chouette. Et également des animations donc, autour de ces spectacles. Les après-midi donc, commenceront à 14h, se termineront à 18h. Il y aura du maquillage pour les enfants, des balades en calèche, un atelier de yoga enfants parents, vraiment, d'accord, ouvert à tous sans pratique du yoga préalable. Voilà. On a aussi un partenariat avec le réseau des médiathèques qui va venir avec une bibliothèque itinérante. On a une caravane sensorielle. De quoi passer une belle après-midi en famille et entre amis. Et alors ça, il va falloir s'inscrire pour y participer. Comment ça va se passer ? Alors, pas d'inscription au préalable pour ces journées d'été. Là, c'est beaucoup plus libre et on peut venir simplement. Hein. Il faut venir simplement, voilà. Parfait. Alors Edwige, juste un petit mot. Il y a l'été à Pau, mais on ne va pas résumer les ACP à l'été à Pau, parce que le principe même de cette association, hein, c'est de programmer des rendez-vous culturels, des spectacles tout le long de l'année. Est-ce que la période que nous venons de vivre remet en cause, quelque part, la capacité des ACP à gérer une programmation d'une saison complète ? Alors, à ce jour, on est un petit peu plus frileux, effectivement, sur la saison, hein, mais on continue d'y travailler. Pour ce qui est des soirées prévues, des concerts, spectacles sur cet automne, on est un peu plus vigilant, étant donné qu'il y a eu aussi beaucoup de reports de concerts, spectacles sur la région sur l'automne. Mais à partir de janvier, on proposera de nouveau une programmation sur la saison, donc au Théâtre Saint-Louis. On fait des soirées pop-up au Zénith avec nos partenaires Ampli, la ville de Pau. Je pense qu'à partir de début 2021, on va repartir. En tout cas, vous êtes sur une logique, on attend 2021, hein, malheureusement, comme beaucoup. Voilà, on a reporté Panda Dub cet automne au Zénith de Pau. Pour le reste, on va rester un petit peu prudent pour l'instant, mais on y travaille, on pose des options, on est en train d'organiser les choses. Voilà. Et Edwige, au Théâtre de Verdure, on a vu, je le disais, des têtes d'affiche déjà confirmées, mais on a souvent vu également des découvertes qui sont devenues par la suite des têtes d'affiche. Historiquement, d'ailleurs, les Tambours du Bronx qu'on va accueillir à la Foire de Pau, normalement le 12 septembre, d'ailleurs, le 12 septembre, on aura les Tambours du Bronx à la Foire de Pau par des expositions. Dans quelles conditions, ça on vous le dira au fur et à mesure de l'été, d'ailleurs. Mais ils ont éclos, entre guillemets, au Théâtre de Verdure. Je pense à également Pony Pony Run Run, même à Citoussi, qui, au moment où il a été programmé, était bien piffé par l'équipe parce qu'ils étaient très peu connus. Et puis, ils ont explosé entre le moment où ils ont été programmés et le moment où ils se sont retrouvés au Théâtre de Verdure. Clara Luciani. Suzanne, l'année dernière. Ouais, exactement. Alors, cette année, est-ce qu'il y a aussi une découverte que vous sentez pour éclore, sachant que la saisonnalité là, des spectacles a peut-être bouleversé, vous disiez Suzanne, l'année dernière. Oui. Cette année, on voit bien que la fenêtre d'ouverture, hein, qu'est la scène, pour beaucoup d'artistes, c'est plus la même. Alors, est-ce que cela dit, vous avez l'impression qu'il y a une petite découverte qui devrait éclore ? Cette année, ma petite découverte, c'était clairement Aloïse Sauvage. Eh oui, mais plus là. Qui finalement, va faire sa résidence en septembre, qui ne peut pas jouer cet été. Oui, c'est ça. On a quand même des artistes émergents et voilà, on a de beaux groupes et de belles promesses d'avenir aussi. Absolument, parce que c'est ça qui fait le sel hein, de l'été à Pau, c'est de se dire en regardant la programmation, ouais, je vais voir celle-ci, je veux absolument ne pas la manquer, celle-ci ou celui-ci. Et puis, il y a ce côté découverte. Et il y a ce côté accès pour les scènes locales également, pour les artistes locaux. Tout à fait, on met un point d'honneur aussi à accueillir des groupes locaux valorisés. On a des artistes de talent dans la région et on les valorise, on met en valeur aussi leur travail. Donc, on a une belle place également à la scène locale qui est en général ravie de se produire à l'étape. Absolument. Il y a un certain nombre d'artistes de la scène locale qu'on a eu le plaisir finalement de découvrir ou redécouvrir pendant Bonsoir le Béarn. Certains ne les connaissaient pas et on va les retrouver. On pense à Nono, évidemment, et les Super Soul Brothers qui sont là, mais il y en a d'autres qui sont programmés et qui, ma foi, oui, c'est une belle relève hein, de la scène locale. Parce qu'on a ici une scène locale extrêmement vivante. C'est aussi parce qu'il y a rempli, parce qu'il y a, votre programmation, etc., etc. Il y a des lieux finalement hein, où on arrive à éclore. Tout à fait. On est quand même une région où il y a beaucoup de choses se passent. On a de beaux dispositifs pour accompagner les groupes
et faire éclore des talents. Bon, alors cette année, c'est plutôt la frustration hein, qu'il va falloir gérer, parce qu'en effet, on va se le dire, parce que peut-être tout le monde n'a pas en tête, mais sur une soirée, une belle soirée aux Têtes de Verdure, on peut faire 8, 9, 10, 11 000 personnes normalement. Donc là, cette année, on va être à 10 fois moins. On va être 10 fois moins, oui. C'est vrai que les gens qui ont réussi à obtenir leur place sont chanceux. C'est toute la difficulté cette année d'arriver à maintenir ce festival et dans les conditions actuelles et à proposer malgré tout l'accès à des concerts de qualité. On est désolé, voilà, on fait vraiment pour le mieux, mais on s'adapte. Non, mais c'est déjà formidable d'avoir maintenu ce festival. 39e édition déjà, donc de l'été à Pau. Un rendez-vous incontournable qui va venir compléter d'ailleurs toute une panoplie de rendez-vous desquels nous parlerons ici dans Bonsoir le Béarn et sur lesquels vous pourrez avoir des informations quasiment en temps réel entre les illuminations du château qui vont également revenir, mais dans des formats également particuliers cette année, entre les différents moments d'animation dont nous parlerons demain au cœur des parcs et des quartiers, des jardins de la ville de Pau avec les managers de quartier. Demain, nous recevrons Aurélie Saillé pour nous en parler. On a quand même eu également un 14 juillet, faut pas l'oublier, tout comme on avait fait ensemble un long marathon pour la fête de la musique, qui finalement peut être maintenu. On a eu un 14 juillet avec des lanternes lumineuses qui sont élevées au cœur même de la nuit paloise, dans le beau ciel de Pau. Je vous propose de retrouver en image un best-of de cette soirée, un sujet réalisé par le service communication de la ville de Pau. Alors je remercie Edwige d'être venue nous voir. Et vous connaissez maintenant le chemin de ce nouveau plateau. Vous revenez quand vous voulez, Edwige. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Regardez les lanternes. À tout de suite. Voilà donc pour ces lanternes. Merci au service communication de la ville de Pau pour ces images que vous retrouvez également sur pau.fr. Chers amis, cet été, les émissions sont plus courtes, mais cela dit, si vous voulez participer à celle-ci, on n'a pas changé les bonnes vieilles habitudes. Vous nous envoyez un mail à bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien vous nous envoyez un SMS, et simplement SMS, on ne pourra pas répondre au téléphone malheureusement, mais au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14, Véronique, qui programme cette émission prendra contact avec vous dans les heures qui viennent et nous aurons le plaisir de converser ensemble afin d'informer celles et ceux qui nous suivent régulièrement sur la chaîne locale.tv, sur le sillon.info, sur pau.fr de ce qui fait votre actualité, actualité culturelle, artistique, sportive, les événements de l'été et de la rentrée. On parlera économie également dans Bonsoir le Béarn. Vous savez que c'est un prisme déformant de notre société création de communication auquel nous tenons. On aura ainsi tout le long de l'été des acteurs de la vie économique qui viendront nous parler de leurs projets, mais également de la façon dont leur secteur d'activité se trouve en ce moment, alors que nous sommes tous confrontés à une situation, vous le savez, tout à fait
particulière cet été. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous recevrons entre autres quelqu'un qui est manager de quartier à la ville de Pau. Elle s'appelle Aurélie Saillé. Avec elle, nous parlerons des jardins de l'été. Les jardins de l'été qui vont animer les différents quartiers de la ville de Pau. Avec elle, nous reviendrons donc sur ce programme extrêmement riche. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner la cagnotte du jour. Nous sommes donc le mercredi 22 juillet. Nous mettons 50 euros dans la cagnotte. Comment gagner celle-ci? Eh bien, pour cela, vous allez sur la page Facebook de Bonsoir Le Béarn, ou plutôt de la chaîne locale, puisque c'est la page Facebook de la chaîne locale, ou bien vous allez sur la chaîne locale.tv, et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous suivez cette émission, que ce soit en direct ou en replay, vous tentez votre chance. Immédiatement, vous découvrirez si oui ou non, vous pouvez gagner l'un des 120 cadeaux mis en jeu, résumé en guise de générique de fin. Salut et à demain !